Rattachée au département de mesures physiques de l'IUT de Saint-Jérôme, cette formation existe depuis une vingtaine d'années. Elle a déjà formé plusieurs centaines de professionnels. Oh, bien le bonjour, je suis Marco, un étudiant en vidéotechnologie. Nous sommes actuellement en vidéotechnologie 16 étudiants et nous essayons chacun de faire de notre mieux. Nous sommes à l'Atrium chez M. Lefebvre et M. Rico et nous apprenons la prise de vue, le montage, tout le travail du montage en studio, les techniques de prise de son très très intéressantes et bien entendu tout le magie, tout le système de l'éclairage et bien entendu toute la connectique avec la soudure. Voilà, nous sommes 16 et nous apprenons à faire de notre mieux pour travailler dans une équipe. Nous faisons des JT et notamment pas mal d'autres choses. Je vous invite à nous suivre. Une régularité parfaite au cadre et une pointe d'originalité. Située à l'espace Charles Trenet de Saint-France, chaque année, la Maison des Jeunes et de la Jeunesse vous propose diverses activités artistiques et pour les jeunes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que Jérôme va faire marque un plan dans la séquence qu'il a faite. Parce que là, on voit le gars donc, qui est en train de viser quelque chose, on voit les formes, mais on ne voit pas le sujet. Il va venir à faire le plan de coupe sur le sujet. Et puis d'avoir fait une petite séquence. Encadré à chaque étape par des professionnels, durant les 5 mois de formation en centre et en entreprise, les étudiants pratiquent l'ensemble des techniques de la vidéo. Moi je vais cacher, toi tu vas ouvrir. Alors regardez ce qui se passe au niveau du nez. Le troisième nez, vous le voyez ah ouais. Là. Et on met un bout de scotch. Il va se passer ça devant la caméra. Tu vois ? Le foot comme tu veux avec les doigts. Et on a un atelier de construction de décor en paille de menuiserie avec des fermoirs et tout à fait. La deuxième utilisation de ce petit morceau de plateau, c'est avec ce fond vert qui est derrière, qui sert de fond pour faire l'incrustation, pour faire notamment toutes les météos de tous les jours, de midi et du soir. Voilà, dans la scène, nous apprenons à faire un peu mieux en parler d'envie. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais
par-dessus. Donc c'est là. On rentre. Ouais, mais bon, tu sais que vraiment, c'est la même chose. Mais bon, on aime bien que tu sois là, Arthur. Oui, nous sommes en train de dupliquer les cassettes. Nous avons fait donc une partie de H8 sur VHS. Tu sais qu'ils te les font. Voilà. Une partie de bêta sur VHS et en ce moment c'est des BDU sur VHS. Et nous avons l'image et nous avons le son. Nous n'avons pas l'odeur parce que nous n'avons pas bénéficié de subventions suffisantes pour avoir l'odeur, hélas, mais bon, c'est déjà bien d'avoir le son et l'image. Voilà, c'est juste, Arthur. 5-5. Donc on nous apprend les bases du métier. Et c'est un métier très passionnant, vu qu'on a la responsabilité de projeter un film. Donc si on cherche. Les chômeurs de longue durée et les RMistes de courte et moyenne durée. Voilà, on devra avoir bientôt le document sonore, le JT exceptionnel qui a été fait par un réalisateur qui ne pourra pas toucher son chèque puisque nous ne connaissons pas absolument le nom du réalisateur, hélas, 8 fois hélas. Voilà, une courte durée qu'on va caler, qu'on va bien caler. Une très jolie introduction, très créative, très sympathique. Il y a une très jolie image, une très jolie fille, bien exposée en colorimétrie rouge. Bonjour à tous, au sommet de cette édition, la communication à l'honneur dans la ville de Salon, beau métier insolite aussi, profession chômeur longue durée et RMiste à la CAF. Un exemple d'activité loisir à la MJC de Salon. Avec un accompagné ce soir, Fred. Bonsoir. Et Mathieu. Bonsoir. En ces temps qu'individualisme règne dans notre société, la ville de Salon. J'allais dire que tu... La formule de l'unité, un petit peu.
On va passer au sujet numéro 4. Donc, la vie associative et culturelle est également à l'honneur à Salon. La MJC propose diverses activités. La gym, s'il vous plaît. La danse, la musique, la peinture. Ouverte à tous, ces activités n'en sont pas moins encadrées par des professionnels. Un reportage de Josepha, Fred et Rachid. Madame de la Tour d'Auvergne, je suis animatrice de la section encadrement d'art, précise. Et vous, madame, s'il vous plaît ? Je m'appelle Annie Roudil et je suis le cours d'encadrement. Je suis élève. Il y a deux étapes. La première année où on apprend aux débutants comment couper les cartons, comment équerrer. Et bon, on va du plus simple au plus compliqué. Et l'année suivante, bon, on commence à faire des cadres beaucoup plus compliqués, disons. Situé à l'espace Charles Trenet de Salon-Provence, chaque année, la Maison des Jeunes et de la Culture vous propose diverses activités artistiques et sportives. Percussion, danse africaine, etc. Ici, à l'atelier d'encadrement, nous constatons que la majorité des adhérents sont des femmes. Une bonne entente règne dans ce local. Nous avons ainsi suivi le déroulement de la confection des cadres. Rien de plus simple. Une équerre, un bout de carton, un crayon et beaucoup d'imagination suffisent à élaborer de magnifiques objets de décoration pour leur usage personnel. Chaque femme s'applique dans chaque tâche. Le traçage, le découpage, le ponçage, le collage, pour donner une régularité parfaite au cadre et une pointe d'originalité. Bien encadré par un groupe de femmes motivées, nous sommes allés prendre un thé. Bien, comme vous le constatez, on n'a pas de thé sur le plateau. C'est bien dommage. C'est bien dommage, exactement. Bien, en espérant que ces 3 ou 4 reportages vous ont plu, ça vous a peut-être donné envie, je ne sais pas. C'est intéressant, la vie associative. C'est bien. Ouais, bon. Oui, nous avons notre invité à côté. Il semble. Oui, Patrice, je ne sais pas, vous faites quoi dans vos journées? Est-ce que, justement, la vie associative... Moi, la vie associative, je la vois plutôt avec mes amis, on se réunit, on s'en va sur un parking de nuit, on se fait 2 ou 3 voitures, c'est sympa, on rigole, quoi. Pour moi, c'est ça, la vie. Vous faites 2 ou 3 voitures, c'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu Une BM, une Mercedes... Oui, plutôt des voitures de luxe, apparemment. Oui, voilà, puis comme ça, on va faire des petits tours, on fait des bonnes balades et tout. Oui. Il arrive souvent qu'on finisse dans un platane ou quoi, mais c'est pas bien grave. Dans un platane, j'en reviens au luthier justement. Est-ce que le bois, le platane, conviendrait bien à un luthier? Eh bien écoutez, apparemment ça ne c'est pas trop ça, mais avec notre ami peut-être nous pourrions créer une association. Ah moi je vous fais des coupes de platane sans problème. Pour débiter quelques platanes avec des BMW. Ouais. Je crois que il a l'air d'être assez professionnel dans sa, manière de mener les choses. Bien, je vous remercie pour cette intervention. Maintenant, on va passer à la météo. Si, voilà, avec Marco. Bonjour, c'est la météo. Nous sommes le 7-12-99. Nous n'avons que de bonnes nouvelles à vous offrir. Et oui, les pommes dans le Var 83 sont en bonne hausse. Elles arrivent, elles mûrissent, elles vont être bientôt à maturité sur vos tables. Le Vaucluse, nous n'avons pas la communication de l'information suivante et nous lançons un appui au public pour demander la hauteur de la sorgue. Et oui, nous sommes très intéressés à ce qui se passe à la fontaine du Vaucluse. Le 04, les Alpes de Haute-Provence. Et oui, la récolte de lavande vient d'être effectuée. Et bien entendu, vous aurez sur votre peau cet hiver le petit pot de miel pour vos tisanes. Bien agréable, les senteurs des Alpes de Haute-Provence. Et les Alpes maritimes, 06, nous a été communiqué du beau soleil. Vous allez pouvoir prendre le bateau et évoluer avec grâce et élégance sur les eaux
mer majestueuse de la Méditerranée. Oh, les Bouches du Rhône, il fait toujours beau ici, vous le savez bien. Et bien entendu, dans notre beau département du 13, sachez que les flamants roses, eux aussi, ont été très sensibles au gel qui a été effectué. Mais bon, l'Afrique, leur pays de destination, va bientôt les accueillir. Et oui, l'Afrique, une nouvelle destination pour vos prochains rêves. Bien le bonjour, et c'est à vous, en vous souhaitant une bonne soirée. Bonne fête à tout le monde, car la fête du Seine n'a pas été communiquée. De cette édition, découvrez une exposition photo à Salon, la préparation de la fête d'Halloween, un reportage sur une formation vidéo, puis nous irons rendre une visite à un amateur de vin et à un commerçant de téléphone portable. Et comme invité de ce journal, Léon et Freund, deux humoristes belges. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette année encore, la journée nationale du patrimoine ouvre les portes de l'histoire à de nombreux visiteurs. À Salon, c'est à travers diverses manifestations que petits et grands vont découvrir leur ville. Dans cette édition, un clin d'œil sur notre passé. Reportage d'Arthur Drosian. Le musée de la Croix expose d'anciens fichiers de l'IAC. Photographe des années 1900. Et oui, notre vie se dévoile. L'œil de ce photographe renommé nous révèle non seulement un aspect de nos grands résistances que nous avons.